Rebonjour, et nous voilà pour la suite. Donc nous sommes retournés au village. Jessica est dû rentrer, enfin je sais pas, on va voir. Et on va voir chez elle si elle est rentrée. C'est la rentrée, elle est à l'étage, hein. Je suis dans sa chambre. Oh, elle est là. Votre famille, elle vient s'occupera de vous dans quelques instants. Ok, moi j'attends. Je vais te demander à nouveau, Jessica. N'as-tu aucune compassion? Vas-tu donc pas pleurer la mort de ton frère? Bah, fais comme elle veut, hein. On va pas recommencer. Bien sûr que je suis triste, c'est incroyable que je dois vous le dire. C'est vrai. Même tes seules préoccupations sont la tradition et les obligations familiales. Moi, je te parle de venger sa mort. Venger? Veux-tu cesser de dire des bêtises? Tu es une jeune fille, pas une guerrière. Ou en fout alors, où elle veut, pas qu'elle parte, quoi. Que crois-tu vraiment? Que cet Alistair a évolué? Que tu portes ce deuil en Varie? Ça, on ne sait pas ce qu'il a voulu. Elle pense qu'elle est qu'en gros. Ne m'attends pas à ce que tu me crois, mais Alistair m'a parlé. Je vais jamais le croire. Je vois qu'aucune discussion possible. Fais ce que tu veux. Bah oui, de toute façon. Hein. En ce qui me concerne, je n'ai plus de fille. Ah, bah d'accord. Ça veut tout dire. Elle est gentille, la maman. Si on va passer, je récupère mes affaires. Un peu de mauvaise humeur, on va dire. Ah, quand même, elle est un peu. Elle s'excuse. Je suis désolé de ne pas vous avoir dit la vérité avant. Vous me pardonnez? Tu pars pour de vrai, Jessica? Je veux que tous les deux vous veilliez sur notre village pendant mon absence. Alistair m'a dit que ça allait arriver. Il a dit que vous alliez protéger la ville. Et tous les deux que vous allez devenir un célèbre. Ouf, ça m'étonnerait ça, mais bon. Qu'est-ce qu'il faut pas dire aux enfants, hein? C'est moi qui pleure. Vous n'avez plus à garder ma chambre. À partir de maintenant, je veux que vous alliez patrouiller dehors. Ils sont mignons. Ils sont mignons. Ah, Fifi, comme dans les. Comme dans Picsou, leur nom. Dommage qu'ils ne soient pas trois, ça aurait été marrant. Bon, bah, je m'en vais. Hein. Merci d'être une gentille maman. Oh, tu parles. Bon, t'as changé d'avis? Non. Même pas un mot, hein. Pas très gentil. Donc, est-ce que je peux lui parler, moi? Ça vaut aucun doute qu'elle viendra bien. D'accord. Bon, bah, si tu crois ça. Je veux pas te décevoir, madame. Tu fais ce que tu veux. Pas très gentil la famille, hein? Non, pas très gentil. Bon, par contre, elle est passée au autre. C'est pas tout ça, mais. Où est-ce que je vais la trouver? On va sauvegarder, ça sera fait. À mon avis, on va la trouver en sortant du village. Moi, je vois que ça. Hop là!
Non, ce que je dis, c'est que je suppose qu'on devrait aller, je sais pas où d'ailleurs. Je sais pas où. Elle est pas là. Non, elle est pas là. Oui, donc sauvegarde, ok. Oui, sélectionne la première. Et puis bon, on va pas t'aider la ville, par contre, je sais pas où il faut aller après. Donc je sais pas trop. Écraser, oui, celle-là. Plus que 90 niveaux. On y est presque, hein. On y est presque. Oui, je continue, du moins pour l'instant. De rien, au revoir. Bon, où est-ce qu'elle est l'autre? C'est pas tout ça, mais il faut que j'achète des armes. Savoir ce qu'elle a, ou voilà quoi. Que je la prépare. Je suppose qu'elle, ça sait tout ce qui est sort, magie apparemment. Si je me souviens bien. Ah, voilà qui font leur tour de garde. Ah bah voilà, elle est là. Non, c'est pas elle. Non, c'est pas elle. Où est-ce qu'elle est? Bon, on va peut-être dormir alors. Je vois pas trop où elle peut être. Au cas où il faut laisser une journée, c'est souvent comme ça dans les jeux. Le lendemain, ça se passe. Passer la nuit, ce sera plus simple. Ça sera plus simple. Bon, vous entendez du bruit, désolé, hein. Il y a du bruit, il y a quelqu'un derrière, malheureusement, c'est comme ça. Il y a un peu de bruit de partout. Donc, on va sortir, je suppose qu'elle va nous parler, sinon je vois pas où elle est là, j'avoue que. Lui, il est dans toutes les villes. Toutes les villes. Ah, elle est partie. Je ne sais pas pourquoi elle est partie, mais je peux émettre une hypothèse. Non, c'est pas ça. Mais bon, si tu le dis. Bon, ben, je sais pas où elle est allée, hein. C'est bien tout ça, mais bon. Moi qui voulais lui acheter des trucs. Qu'est-ce qu'il nous dit le vieux? Un sauvage sans âme, ok. Ouais, mais on va où là? Où est-ce qu'on va? Je dirais qu'on va aller au croisement, et peut-être on va peut-être la trouver au croisement. Parce que sinon je vois pas trop où aller, hein. J'avoue que là je suis perdu. Non, je sais que j'en ai pas. Mais. B. Hop là. Ça fait bizarre sans musique, hein, mais bon, c'est pas grave, on peut en trouver. On s'y fait. On imagine de la musique, hein. Belle, enthousiaste. Normal, normal. Donc, il y a toujours le monstre là. Ouais, mais bon, j'ai obtenu une fois, il m'a bien. Hein, d'accord, on va être poli. Donc, ne sachant pas où aller, je suis allé là. Je vois pas trop où faut aller. Donc, on va attaquer celui-là. Est-ce que je peux.
Mais voilà, on voit pas c'est comme ça, c'est chiant ça. C'est chiant, c'est chiant. Ça, je vais mettre le bouclier en fait. Ouah, j'ai mal au dos. Hop, un petit champignon. Hop. Ils sont bien résistants ceux-là, disons. Ils sont résistants. Ouais, il en reste encore. Hein. Bon. Alors. Problème, c'est où faut-il aller maintenant? Telle est la question. Bon, tout le monde se promène, hein, c'est pas toujours ça. Hein. De toute façon, il faut y faire l'expérience. Hein. Alors, si je ne la trouve pas, je couperai, puis on se verra dans le nouvel épisode. Ce sera aussi simple. Déjà voilà pour carte. Et puis on verra ce qu'il nous dit. Alors. Port. Oh, je pense qu'elle était là au port, ouais, pour reprendre le bateau. Ça me semblerait logique. Enfin, pas vraiment, mais bon, je vais pas vous la rappeler d'autres. Je vois pas trop. C'est la botte que j'aurais dû tuer en premier. Il est chiant, lui. Il est quand même bizarrement son... un arc, marrant. Bon, allez. Ah, protection. Alors, ah oui, bon, quand même. Ça n'a pas servi à grand chose. Bon, je remets le boomerang. Hein. Ça me saoule. Tant que c'est assez puissant. Après, je peux m'amuser à en changer, c'est ce que je faisais d'ailleurs. Hop. C'est vu que j'ai souvent plusieurs ennemis, ça me permet de faire des one-shots. C'est quand même plus agréable. Tac. Transférer. Hop. Équipé, voilà. Mais je sais pas trop. Hein. On avance, on va voir. Hein. Je sais pas trop où est le port, mais bon. On se promène. Hein. Il me manque quelque part le port. Hein. Il y a quoi? Ah, il y a un coffre. On va voir un coffre. Obligé. Hein. Ah, voilà, je me fais prendre boomerang. Là, on se calme. Et deux, un. Et hop. Bah, ça fait mal là. Un peu de vie. Hop.
Ah, niveau 10, cool. Que 3 points, c'est pas beaucoup ça, mais bon, pas en fait, on en peut. 1, 2, 3. Épée. Voilà. Après la lance. Bon, qu'est-il dans le coffre? Zone de force, ok. Tiens, mais un monstre tout seul. Médecin. Premier coup, enfoiré. Oh! Faut que j'attaque la suite, voilà. Enfoiré, il a évité. Ouf, il s'est pas remis de la vie. Heureusement. Il m'a gonflé. Donc, on va voir. Il y a quelque chose là-bas? Bon, je sais pas. Bon, vu qu'on sait pas, on continue à avancer. On va voir ça, c'est un port, je sais pas où il est. Allons-y. Bon, encore 3-4 minutes et puis je vais couper et puis je retrouve là où elle est la fille. Hein. Le marteleur. Ok. Oh, ils sont noirs, ils sont pas mauvais. Ils sont pas mauvais. Ils ont changé de couleur. Et voilà. Donc on va couper, tout dépend où on se retrouve. Ok, donc je vais couper là et puis on se reprend dès que j'ai trouvé quelque chose. Je vous dis à tout de suite.